Jadis un des plus importants ports de la mer de Chine, des circonstances politiques et naturelles ont entraîné son déclin et en ont fait ce que Hoi An est aujourd'hui, une ville touristique de taille moyenne, mais au patrimoine exceptionnellement bien conservé. L'ensablement du port vers la fin du XIXe siècle, ainsi que des tractations politiques avec la France quelques décennies plus tôt, ont grandement favorisé Da Nang au détriment de Hoi An. Le pont pagode Chua Kao est le symbole d'une certaine harmonie qui régnait entre les communautés à l'époque de la gloire de Hoi An. Le pont fut construit en 1593 par un marchand japonais afin de faciliter les échanges entre les quartiers japonais et chinois, et en 1653, une pagode fut érigée sur le pont, ce qui en fait un monument pratiquement unique en son genre. Le pont fut reconstruit au début du XIXe siècle et restauré à plusieurs reprises par la suite. Un couple de statues garde les deux extrémités. D'un côté des singes et de l'autre des chiens. Asiatique est renommée pour l'excellence de sa gastronomie, et cette qualité est en grande partie due à la fraîcheur de ses ingrédients. À Hoi An comme ailleurs, des marchés animés offrent de quoi ravir les papilles, après avoir ravi les yeux des photographes. Thank you.
Hoi An est une des villes les plus visitées du centre du Vietnam. Il se dégage une poésie certaine de ses vieilles maisons aux murs peints en ocre et de ses lampions qui ornent pratiquement toutes les rues. Construite sur les ruines d'un temple plus modeste bâti par des bouddhistes vietnamiens, le temple fut reconstruit en 1697 par des familles chinoises pour servir de hall d'assemblée de la communauté chinoise de Fujian à Hoi An. C'est bien plus tard que la maison communale de la congrégation du Fujian devint le Phuc Kien, dédiée à la déesse de la mer. Son architecture est remarquable, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Si la vieille ville de Hoi An, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est magnifique, la campagne environnante vaut également le détour. Des rizières avec des buffles qui s'y prélassent, souvent accompagnés par des petits échassiers blancs qui les débarrassent de leurs parasites, ainsi que des cimetières bucoliques sont un régal pour les yeux. Les Vietnamiens se soucient plus de la beauté de leurs tombes que de celle des maisons où ils résident de leur vivant. Et puis, il y a l'embouchure du fleuve avec ses pêcheurs, et pour les amateurs, les jolies plages ne manquent pas non plus.